Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Volkswagen ID3 First Edition en finition plus. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by Dieteren, bornes et solutions de recharge. Avant de démarrer, je vous propose de vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à l'avoir fait, ça me fait bien plaisir. N'oubliez pas également d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, et dans les prochaines semaines, il y en aura énormément. C'était il y a près de 4 mois, à la fin du mois d'août, petit mail de Volkswagen qui me propose de prendre le volant de l'ID3 qui venait de sortir, qui venait d'être disponible. C'était d'ailleurs un exemplaire allemand que j'avais eu l'occasion de tester pendant 5 heures. L'occasion d'une première prise de contact, l'occasion également de vous proposer un essai découverte que vous avez pu suivre, très nombreux d'ailleurs, et je vous en remercie, sur Charging Station. Nous sommes près de 4 mois plus tard. Cette voiture, c'est une vraie voiture de série. On avait eu ce débat sur le fait que c'était ou non celle du mois d'août une voiture de série ou de pré-série. En fait, c'était tout simplement une voiture de série, mais en finition de base et immatriculée en Allemagne. Celle-ci est une version donc First Edition Plus, donc c'est pas la tout haut de gamme, c'est l'intermédiaire que j'ai eu le plaisir de conduire pendant une semaine cette fois-ci. Et conduire une voiture pendant une semaine, ça permet de se faire une vraie idée de la conduite de la voiture au quotidien et donc d'avoir effectivement, de pouvoir repérer d'éventuels défauts, mais aussi de très belles qualités. Alors, en 2020, acheter une Volkswagen ID3, bonne ou mauvaise idée? La réponse dans cet essai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo, mais moi je trouve que cette ID3, elle a une vraie personnalité au sein de la gamme Volkswagen, qui d'ailleurs propose en général des voitures qui sont plus consensuelles au niveau du look, des voitures pour plaire à tout le monde. Celle-ci ne va pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, elle a un vrai look, une vraie personnalité, je le disais. Grâce à quoi? Grâce à plein de choses en fait, grâce à son allure générale qui fait que parce qu'on est parti d'une feuille blanche, parce qu'on est parti d'une plateforme qui va servir uniquement pour des voitures électrifiées, eh bien on a pu se permettre d'avoir un look qui, il est vrai, est un petit peu différent. Notamment les roues qui sont aux quatre coins, le profil qui est plus un profil de monospace, et notamment sur l'avant où on a presque cette ligne continue entre le mini-capot, on ira dans un instant, et le pare-brise. Donc on a un look de monospace plutôt sur le profil. L'avant est très court, les roues aux quatre coins, et l'arrière qui est extrêmement ramassé, vous le voyez sans doute. Un arrière qui est très trapu finalement, avec cet aileron qui est extrêmement large. J'ai jamais vu un aileron aussi large sur une voiture de série, avec cette vitre qui est très allongée et très étroite, et puis avec cette arrière qui d'office est de couleur noire. C'est un parti pris sur cette Volkswagen ID3, et moi je trouve que ça lui va plutôt bien. Alors pour ce qui est de la couleur, rassurez-vous, cette couleur elle est visuellement très sympa à regarder à l'écran, mais en vrai, bon, je suis un peu moins fan de cette couleur turquoise. C'était déjà le cas de la voiture qu'on avait eu à tester il y a quelques mois. C'est une option, vous pouvez avoir deux séries. Par contre, la couleur que moi je préfère, c'est celle-là. Regardez, moi je trouve que dans cette couleur elle est vraiment extrêmement réussie, et en plus c'est la couleur sans supplément, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors rejoignez-moi. Autre chose qui était présent également sur la voiture qu'on a essayé il y a 4 mois, c'est ces stripping, ces autocollants qu'on va retrouver sur le côté de la voiture. Personnellement, je ne suis pas fan du tout, mais rassurez-vous, vous pouvez tout à fait vous en passer. Quand on regarde le profil, on le disait, plutôt une ligne de monospace, on le voit bien de là où vous êtes certainement. Voilà cette ligne qui descend ici, qui forme presque une ligne continue. Il y a une légère cassure ici, mais presque une ligne continue. Et donc on a le bas du pare-brise en fait qui se trouve là, c'est-à-dire assez éloigné du volant. On verra à l'intérieur que ça donne une extrême sensation d'espace, et c'est très très agréable. On continue vers l'avant de la voiture, avec cette lèvre noire qui se trouve au bas du pare-brise. Ça aussi, c'est un effet de style, c'est un parti pris. Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien également. Et puis alors, ce micro-capot en dessous duquel il n'y a pas grand-chose, juste remplir les fluides, liquide, lave-glace, etc. Pour le reste, c'est tout, évidemment. Et puis alors, cet avant qui contraste un petit peu avec l'arrière. Je vous propose de vous éloigner un petit peu. Cet avant qui est un peu plus jovial que l'arrière, qui est un petit peu plus rond, qui invite à... voilà, ça, on dirait que la voiture vous sourit avec cette petite boule.
couche ici au-dessus de la plaque d'immatriculation. Donc je trouve que c'est une invitation au voyage avec cette voiture et son look assez sympa, que ce soit la face avant, la face arrière ou encore le profil. On s'attardera tout à l'heure sur les phares, là aussi il y a beaucoup de choses à en dire et notamment l'aspect jovial qui passe aussi par les phares de cette voiture. Avec cette ID3 et cette plateforme MEB, Volkswagen a fait le choix de placer le moteur à l'arrière, moteur qui entraîne les roues arrière, cette voiture est donc une propulsion. Et c'est pas inintéressant, et notamment pour ce qui concerne le train avant, qui du coup est libéré de cette contrainte de devoir tirer la voiture. Sa seule mission, ça va être de diriger la voiture, et là du coup ça permet une amplitude beaucoup plus grande que si la voiture avait été une traction. Diamètre de braquage 10,20 mètres, c'est très très peu, hein, c'est le diamètre de braquage d'une Volkswagen Polo. On a donc le diamètre très court d'une Volkswagen Polo, l'habitabilité d'une Passat dans le gabarit d'une Golf. Cette voiture a décidément tout pour plaire. Alors justement, au niveau des performances de la voiture, le moteur synchrone à aimant permanent, situé donc à l'arrière, il propose 204 chevaux, soit 150 kW. Il réalise le 0 à 100 en 7,3 secondes, c'est exactement la même valeur que pour une mini électrique. Ça pousse très fort grâce à un couple généreux de 310 Nm. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie de 58 kWh sur cette version First Edition Plus, batterie, vous le voyez, située sous le plancher de manière assez traditionnelle entre les quatre roues, comme sur la plupart des voitures 100% électriques. Alors dans la gamme actuelle, une autre batterie est disponible de plus grande capacité, 77 kWh sur des versions donc plus haut de gamme et donc forcément plus chères. Si vous cherchez quelque chose de moins cher, ce sera bientôt possible avec une plus petite batterie de 45 kWh qui proposera forcément une autonomie un peu inférieure, mais également un prix d'appel qui sera plus intéressant. Pour recharger la batterie de 58 kWh, deux connecteurs. Le premier, c'est le connecteur de type 2 qui va permettre la recharge sur le courant alternatif grâce au chargeur embarqué de 11 kW, et ça c'est plutôt pas mal, ça va permettre une recharge complète en 6 heures à peu près. Comptez 8 heures pour une recharge complète sur le courant alternatif toujours, mais en monophasé 7,4 kW, et comptez plus de 30 heures sur une prise domestique simple qui n'est pas évidemment la solution à privilégier. Donc ça c'est pour le connecteur de type 2. Vous voyez d'ailleurs, petite astuce, qu'il est directement accessible, c'est le cache ici qui vient le protéger, donc il n'y a pas un cache à retirer en plus à chaque fois. C'est une petite manipulation qu'on doit éviter. Et ma foi, c'est plutôt pratique. Petit cache par contre supplémentaire ici pour le connecteur combo CCS qu'on va peut-être utiliser moins souvent. Combo CCS qui va permettre là la recharge sur le courant continu jusqu'à 100 kW de puissance sur cette voiture équipée de cette batterie de 58 kWh. Sur la batterie plus élevée, de capacité plus grande, donc 77 kWh, là on peut aller jusqu'à une recharge de 125 kW de puissance. Comptez à peu près sur cette voiture avec du 100 kW et même sur la 77 avec 125 kW puisque le rapport est le même, comptez à peu près 30 minutes pour recharger 80% de la capacité de la batterie. Toujours concernant la recharge, je voudrais souhaiter la bienvenue sur Recharging Station à notre nouveau partenaire, c'est EDI, Electric by D'Iteron, initiative donc de D'Iteron en Belgique pour proposer un écosystème complet autour de la recharge des voitures électriques. Et ça comprend évidemment la borne de recharge qui peut être connectée évidemment. Ça comprend aussi une carte avec laquelle vous allez pouvoir recharger partout en Europe, le monitoring constant de votre installation, la gestion des coûts également liés aux différentes recharges et puis la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle le split billing, c'est-à-dire la possibilité de refacturer automatiquement à votre employeur la consommation que vous aurez chez vous avec votre voiture de société, par exemple. On aura l'occasion de détailler ça dans les prochaines vidéos. Bienvenue en tout cas et merci à EDI Electric by D'Iteron pour la confiance sur Charging Station. Si vous voulez vous aussi découvrir leur solution, eh bien rendez-vous sur edi.be pour découvrir cette solution proposée par EDI Electric by D'Iteron. Notez que l'analyse de votre installation et le devis sont gratuits et sans engagement. Alors évidemment, proposer un arrière assez bas et assez trapu, c'est très joli visuellement, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du volume de chargement? Eh bien, figurez-vous que c'est plutôt pas mal. L'ouverture, elle n'est pas électrique, basculement du logo, plutôt pas mal avec 385 litres de volume de chargement, un espace qui est bien uniforme au niveau des dimensions, donc qui est assez pratique à utiliser au quotidien, un plancher qui est assez plat, plancher d'ailleurs en dessous duquel on a encore
un volume ici dans lequel on va pouvoir glisser un câble de recharge par exemple. On a également de part et d'autre des crochets, toujours pratique également pour éviter que les courses par exemple se promènent dans la voiture. D'autres crochets ici, vous voyez par exemple que le sac du câble est arrimé là à un petit crochet sur le côté, là aussi pour éviter qu'il ne bouge pendant le transport. Et puis alors à droite, vous le voyez, une prise de recharge, une prise 12 volts, ça aussi c'est plutôt pratique. Une fois qu'on abaisse complètement la banquette arrière, fractionnable 60-40, vous le voyez, avec une trappe à ski qui elle aussi est bien pratique, eh bien on a 1267 litres de volume de chargement total. Donc c'est plutôt un point très positif sur cette ID3. Avant de prendre place à l'avant, au volant, je vous accueille sur la banquette arrière de cette ID3. Est-ce que cette voiture bénéficie de son empattement généreux de 2,77 m? Eh bien oui, je peux vous dire que dans une voiture de cette taille, c'est extrêmement rare que je puisse m'installer à l'arrière sans quasi toucher le siège avant. Il est réglé comme pour moi, 1,90 m. 1,90 m à l'arrière, ça passe encore. Et ça, c'est vraiment bien, c'est une belle performance. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'installer confortablement. Les enfants, les adolescents, les grands adolescents également. Il n'y aura pas de problème dans cette voiture. C'est une place qui est extrêmement généreuse. Et ça, c'est grâce au fait de pouvoir disposer d'une plateforme spécifique, la plateforme MEB, qui permet de redistribuer l'espace à l'intérieur sur une voiture 100% électrique. On a donc un poste de conduite qui est poussé vers l'avant, des roues aux quatre coins et donc beaucoup de place, un espace très généreux pour la partie qui nous intéresse tous, c'est-à-dire l'habitacle de la voiture. Alors au niveau de l'espace disponible, on l'a dit, donc là ça passe et c'est très bien. Au niveau des sièges, c'est plutôt confortable, hein, ma foi, on est plutôt bien installé. Au niveau équipement, on a une prise USB-C par place principale à l'arrière, donc il y en a deux au total. Le passager central sera un petit peu moins bien loti que les autres, évidemment, en raison d'une assise qui est un petit peu plus dure et le dossier également. Par contre, il n'y a pas de tunnel de servitude, donc ça veut dire qu'on a un plancher plat à l'arrière et ça, c'est très positif. Et puis, s'il n'y a pas de passagers sur la place centrale, on peut toujours disposer d'un accoudoir avec deux porte-gobelets et on le voit ici, on a accès également à celle dont je vous parlais il y a un instant, c'est-à-dire la trappe ici qui donne accès au coffre. Bienvenue à bord de cette Volkswagen ID3. Alors, l'impression, elle n'a pas changé hein, par rapport à la première prise de contact à la fin du mois d'août. Effectivement, cette voiture, elle est très sympa à l'intérieur. Vous le voyez, hein, le look est plutôt cool, plutôt moderne. Mais en même temps, on a cette qualité des plastiques qui, il est vrai, a fait couler déjà beaucoup d'encre, a fait beaucoup parler d'elle. Et une qualité des plastiques qui est très inégale. Donc, les parties claires, elles sont en plastique moussé. Tout le reste, c'est du plastique dur. Alors, on est habitué à avoir régulièrement du plastique dur dans les parties basses, hein, ici, notamment ici, en dessous du tableau de bord, etc. Mais le fait d'avoir du plastique dur aussi ici, aussi au-dessus et aussi sur le haut des portières, ça choque un petit peu quand même pour une voiture en 2020 qui coûte ce qu'elle coûte. Hein. Ce n'est pas une voiture qui est bon marché. Et donc, certainement sur les versions haut de gamme où on atteint et on dépasse les 50 000 euros, avoir une voiture avec autant de plastique dur à l'intérieur, c'est un peu dommage. On va simplement se rassurer en se disant que ce plastique dur, il a quand même un double avantage. Alors le premier, c'est de faire des économies à Volkswagen qui a beaucoup investi, c'est vrai, pour mettre cette voiture sur le marché. Et puis le deuxième avantage, c'est aussi de proposer une voiture qui est du coup un petit peu plus efficace, efficiente en matière d'utilisation d'énergie. Pourquoi? Parce que des plastiques durs, contrairement au plastique moussé, c'est un petit peu plus léger. Et donc ça va permettre d'économiser un petit peu. On va se rassurer en se disant ça en tout cas. Cela dit, pour avoir passé une semaine au volant de la voiture, franchement, c'est quelque chose que vous remarquez quand vous vous installez au volant. Vous commencez à mettre la main sur les portières, etc. Vous vous dites, bah, il y a quand même beaucoup de plastique dur. Au bout d'une semaine, ce n'est pas quelque chose que vous avez à l'esprit tous les jours. C'est plutôt au quotidien l'agrément que va proposer la voiture que vous avez bien en tête et qui est très agréable. Et ce n'est pas forcément la qualité des plastiques qu'on va oublier un peu vite finalement. Au niveau du look, on est clairement à mi-chemin, je dirais, entre une Tesla Model 3 qui est très extrême, très futuriste, avec son écran central et son intérieur extrêmement dépouillé. On ne peut pas faire plus dépouillé d'ailleurs, mis à part en retirant l'écran. Et puis alors une Kia e-Niro qui propose elle un intérieur qui est très conventionnel, qui se rapproche complètement d'un intérieur de voiture traditionnelle, avec les écrans de manière traditionnelle derrière le volant, etc. Et un aménagement intérieur avec davantage de boutons, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Donc si vous recherchez une voiture effectivement qui ressemble à une voiture que vous connaissez déjà avec un intérieur normal, vous allez plutôt vous diriger vers une Kia e-Niro effectivement. Si vous êtes extrême geek, vous allez pouvoir effectivement vous diriger vers la Tesla Model 3 qui coûte évidemment plus cher, mais voilà, c'est plutôt cet univers-là qui va vous parler. Mais si vous êtes un petit peu entre les deux, si vous aimez quelque part avoir une disposition conventionnelle et notamment un écran derrière le volant, ce que Tesla ne propose pas, mais d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus moderne que ce qu'on peut retrouver dans une Kia e-Niro,
bien cette voiture vous conviendra parfaitement. On a ce combiné numérique, on a cet écran central et puis on a un affichage tête haute qui est pas disponible sur cette voiture ici, mais qui sera disponible prochainement et notamment avec une version en réalité augmentée qui va afficher carrément à plusieurs mètres devant la voiture de manière virtuelle une flèche pour vous indiquer quelle destination prendre. Donc on a quand même des équipements très novateurs et très technologiques dans un intérieur, je le disais, donc à mi-chemin entre une Tesla Model 3 extrême et l'autre extrémité, à savoir ce qu'on connaît, une Kia e-Niro. Tout à l'heure à l'extérieur, je vous parlais de ce montant ici, le montant de pare-brise à gauche et à droite avec cette fenêtre supplémentaire en triangle, ce look finalement de monospace hein, dans cette voiture à l'extérieur et à l'intérieur aussi, on retrouve effectivement ce qu'on retrouve dans un monospace, à savoir un pare-brise qui est très éloigné du conducteur et du passager avec un grand espace derrière la partie compteur, etc. Et donc finalement quelque chose de très épuré autour et ces écrans qui finalement du coup se rapprochent quelque part du conducteur. J'aime bien la position du compteur ici, le compteur instrument derrière le volant, il est parfaitement bien proportionné. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il bouge avec le volant. Voilà, donc à aucun moment ce compteur ne sera illisible et ça c'est plutôt positif également. Donc voilà, aspect donc très épuré, très aéré, on se sent à l'aise dans cette voiture, on n'est pas engoncé dans cette voiture, on se sent à l'aise, on respire grâce notamment à ce pare-brise, à ce profil de monospace, on est plutôt bien installé dans cette voiture et c'est très agréable. Concernant la position de conduite, alors on est installé en hauteur, ce qui est très agréable et très demandé hein, en 2020, d'où le succès des SUV. C'est très agréable et puis les réglages des sièges également, ici ils sont manuels, eh bien permettent assez facilement de trouver sa position de conduite idéale. Le conducteur et le passager ont chacun leur petit accoudoir qui n'est pas désagréable. Certains préféreront un gros accoudoir central. Ici on a vraiment deux petits accoudoirs, mais franchement c'est pas désagréable et ça permet en tout cas à chacun, puisqu'ils sont réglables en hauteur, ça permet à chacun de trouver sa position idéale et de ne pas subir la position en général du conducteur. Donc voilà, franchement, volant avec une branche assez épaisse, on a position de conduite donc assez agréable en hauteur et puis alors on a, c'est très amusant, le play et le pause, je ne sais pas si vous le voyez, la pédale de frein, il y a un pause écrit dessus, la pédale d'accélérateur, on a un play écrit dessus, voilà, c'est un petit clin d'œil qui est assez rigolo. Concernant le freinage, on y reviendra tout à l'heure sur la route, on a une course de pédale qui est un petit peu molle et ça c'est dommage, ça manque un petit peu de mordant au niveau du freinage. Pour le reste, il y a de la récupération d'énergie, etc. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure quand on sera sur la route. Je vous propose à présent de passer à la description de l'intérieur de cette voiture et notamment de la partie tableau de bord. Alors, on va commencer traditionnellement par la portière conducteur avec un élément qui a été un petit peu décrié et notamment c'est le fait d'avoir ces deux boutons pour les vitres électriques alors qu'il y a évidemment quatre vitres électriques dans cette voiture. Ça veut dire que pour commander les vitres arrière, on va passer par les deux mêmes boutons que pour les vitres avant. On va simplement appuyer sur le bouton rear qui se trouve ici et si je fais ça, voilà, je commande les vitres arrière. Si je réappuie sur ce bouton, je commande les vitres avant. Voilà, certains ont trouvé que c'était scandaleux de proposer seulement deux boutons et cette manière de fonctionner. Personnellement, baisser les vitres arrière, c'est pas un truc que je fais tous les jours, donc c'est pas très très grave non plus. Et de devoir pousser sur ce bouton pour les commander de temps en temps, ça ne me semble pas insurmontable, donc pourquoi pas. On a ensuite un bouton rotatif pour passer des différentes commandes de l'une à l'autre. Donc ici, rétroviseur de gauche, rétroviseur de droite. Ici, la fonction de dégivrage des rétroviseurs et le fait de pouvoir les rabattre également. Donc tout ça avec un bouton, c'est plutôt efficace, plutôt bien vu. On a la possibilité d'inhiber les commandes de vitres électriques à l'arrière pour éviter que les enfants ne baissent les vitres, évidemment. Et puis alors, le verrouillage centralisé ici, voilà, qui est disponible via ce petit bouton. Du côté du volant, derrière le volant, à gauche, on a ce petit pavé tactile. Il est forcément la plupart du temps en mode auto. Ça permet de commander effectivement les différents éclairages, mais également d'avoir un accès direct au dégivrage à l'avant et à l'arrière, donc sur le pare-brise et la vitre arrière. Et ça, c'est plutôt pratique d'avoir encore des boutons physiques dans cette voiture. Concernant le volant, volant qui est plutôt sympa d'ailleurs, qui est assez commun dans le groupe Volkswagen. Donc si vous avez déjà une Volkswagen, vous n'allez pas être dépaysé. Sur ce volant, on a un petit logo, hein, First Edition ici dans le bas. Et puis on a, moi j'aime assez bien en l'occurrence, on parlait beaucoup des plastiques qui sont décriés dans cette voiture. Ici en l'occurrence, je trouve qu'il est assez sympa. On a un volant qui est pour le reste en cuir, avec des zones tactiles ici, avec un retour haptique, hein, comme sur un téléphone portable. Donc quand on pousse sur le petit bouton ici, on a
ce petit retour, cette petite vibration qui indique qu'on a poussé correctement. Il y a d'ailleurs deux niveaux. Ici, en l'occurrence, c'est pour régler la vitesse à laquelle on veut que le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne. Voilà, je suis à 25 km/h, 26, 27. Si je pousse plus fort, on va passer par palier de 10, donc 30, 40, 50, 60, etc. Même chose dans l'autre sens, évidemment. Donc, si je pousse fort, c'est 10. Si je pousse légèrement, c'est par pas de 1. Voilà. Donc, il faut s'y faire un petit peu au début, mais c'est assez pratique. Donc, ici, sur la partie de gauche, on est plutôt de manière traditionnelle sur ce qui est régulateur de vitesse, etc., avec possibilité de régler la distance. Et sur la partie de droite, on va plutôt se trouver dans ce qui concerne soit la synthèse vocale ou bien la possibilité de commander le système multimédia, de passer d'une station à l'autre, d'une plage à l'autre, ou bien de régler le volume plus et moins. Et puis, alors, on a ce petit bouton ici, bouton View, qui permet en fait de commander l'affichage qui se trouve derrière le volant. Alors, si je pousse sur ce bouton, voilà, ici on a l'affichage avec deux éléments, à savoir les aides à la conduite à gauche et à droite, ce qui concerne la voiture, donc la vitesse, en l'occurrence la position de la boîte de vitesse, on est sur parc, également l'autonomie disponible. Et puis alors, on ne le voit pas ici parce qu'on n'est pas en train de rouler, mais on a normalement deux barres, une verte et une bleue, selon qu'on consomme de l'énergie ou qu'on en récupère. Voilà, donc ça c'est l'affichage simple avec deux parties. Si vous êtes sur le GPS, vous pouvez également ne pas afficher le GPS sur l'écran principal, mais avoir les indications du GPS sur ici l'écran derrière le volant. Et on a à ce moment-là, voilà, très simplement, le petit bouton ici sur lequel on va appuyer, le petit bouton View. Et donc l'écran va se diviser non plus en deux, mais en trois parties. Et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir effectivement un affichage supplémentaire du côté droit. Donc c'est assez pratique, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. C'est assez minimaliste tout en étant efficace et suffisant. Derrière le volant de Komodo, de manière traditionnelle, à droite, ce qui concerne les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière, et à gauche, la possibilité de commander les phares, appel de phare notamment, basculement vers le système automatique de gestion des phares, et puis les clignotants, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sur la colonne de direction, plus rien, si ce n'est le bouton start-stop qui n'est pas très utile, puisque vous pouvez effectivement allumer la voiture simplement en vous installant à bord et en poussant sur le frein, et quitter la voiture simplement en appuyant sur le bouton de parking qui se trouve ici. Et puis alors, ici à gauche, le réglage de la colonne de direction, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on a à droite de l'écran, exactement comme sur une BMW i3, la commande de gestion de la boîte de vitesse, entre guillemets, et ça a l'air de rien comme ça, mais par rapport à un sélecteur où on va passer d'une position à l'autre, où il faut parfois faire plusieurs crans dans un sens comme dans l'autre, ça a l'air de rien comme ça, mais le fait d'avoir cette disposition, d'avoir un basculement vers l'avant ou vers l'arrière, c'est pratique parce qu'avec un seul basculement, on va pouvoir atteindre la position souhaitée. Un exemple, je suis là en mode parking, je bascule vers l'avant, je suis sur le mode D. Deuxième basculement, si je veux le mode B avec récupération d'énergie supplémentaire. Si je veux passer en marche arrière, je ne dois pas revenir en arrière de plusieurs crans, non simplement un basculement, voilà, et je suis maintenant en marche arrière. Donc c'est assez pratique, c'est assez intuitif, c'est vraiment très sympa. Et si je pousse sur le P, maintenant voilà, la voiture se met en position de parking et active le frein à main de parking électrique. Donc c'est voilà, c'est extrêmement pratique, extrêmement bien fait. Quoi qu'en disent certains d'ailleurs. Si on continue sur la partie de droite, l'écran d'infodivertissement, on y reviendra dans un instant. Alors là aussi, un élément qui a été décrié, c'est le fait de pouvoir commander cet écran via ces petites rigoles, je vais appeler ça, hein, ces petites zones enfoncées, notamment pour la température souhaitée pour le siège conducteur, pour le siège passager, enfin en tout cas pour l'espace conducteur, l'espace passager, donc climatisation bizone, et puis alors le réglage également du volume du système audio. Certains trouvaient que cette petite réglette, c'est pas très pratique. Moi, au contraire, je trouve que c'est hyper évident, quand on a les yeux sur la route, de pouvoir, avec la main simplement, déposer son doigt dans la petite rigole et pouvoir voilà, bouger le doigt simplement pour augmenter ou diminuer le volume, ou bien ici pour faire une petite tape sur le bleu ou sur le rouge pour régler le chauffage. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux de dire que parce que c'est numérique, parce que c'est différent, c'est d'office moins bien. Bien au contraire, moi je trouve que c'est très pratique. Je suis au volant, je regarde vers l'avant, j'ai directement le doigt qui se pose ici et je sais que mon doigt est bien positionné parce que j'ai ce petit retour, je sais que je suis dans la petite rigole. Et après je fais quoi? Je bascule voilà, le doigt à gauche et à droite et je règle le volume sonore. C'est assez intuitif, franchement c'est assez intuitif, c'est une question d'habitude. Alors on peut ne pas vouloir s'habituer, hein, mais très honnêtement, je trouve ça, voilà, la critique est un peu facile. Je trouve ça, moi, une belle solution, en tout cas c'est quelque chose d'innovant. En dessous,
On a quatre menus et on a évidemment les quatre feux clignotants. Alors, premier menu ici à gauche, ce sera le menu pour le parking avec la caméra qui est bien protégée en dessous du logo Volkswagen à l'arrière. C'est plutôt sympa. On a ensuite la climatisation. Alors, la climatisation au début, c'est un peu compliqué parce qu'il y a trois menus ici au-dessus. Le menu Air Care qui va vous permettre de purifier l'air de la voiture, ce qu'elle va faire également de manière automatique. Et puis alors, on a deux menus de climatisation, le menu intelligent et le menu classique. Alors le menu classique, c'est simplement la climatisation telle qu'on la connaît. Vous pouvez la mettre en mode automatique. Vous pouvez régler évidemment par où vient le flux d'air. Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de la pulsion d'air. Et également ici, mettre en marche les sièges chauffants et également le volant chauffant sur cette voiture, sur cette finition. Donc voilà, vous pouvez synchroniser également. Enfin, c'est un menu tout à fait classique de climatisation. Si vous allez sur le Smart Climate, là à ce moment-là, vous allez plus avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut demander maintenant aux nouvelles interfaces dans les voitures, à savoir j'ai chaud, j'ai froid, etc. Et la voiture comprend immédiatement ce qu'elle doit faire. En l'occurrence là, chauffer les pieds, avoir une vue dégagée, donc la voiture va activer le dégivrage, refroidissement rapide, etc., etc. Donc ça, c'est le Smart Climate. Très honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Personnellement, j'ai utilisé pendant toute cette semaine la version classique de l'interface de climatisation. Et d'ailleurs, j'ai laissé la plupart du temps en mode automatique. Là, je l'ai désactivé, sinon on allait avoir un bruit de ventilation qui n'est pas très agréable sur la vidéo. Mais je laisse en permanence en mode automatique. Donc, menu parking, menu climatisation. Ici, les aides à la conduite. Alors, c'est très visuel, mais je trouve pas ça très pratique parce que ça ne dit pas réellement ce que c'est. En fait, si vous appuyez ici, vous aurez le front assist, donc l'assistant de freinage d'urgence. Si vous appuyez ici, vous avez le régulateur de vitesse adaptatif avec son menu, évidemment. Si vous appuyez ici, détection de la signalisation routière. Et ici, le détecteur de fatigue. Voilà, je trouve ça un petit peu gadget quand même de l'avoir affiché comme ça. Mais c'est comme ça. Alors, dernier petit bouton ici, ce sont les modes de conduite. On a le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Je suis resté la plupart du temps en mode confort. Je voulais vous montrer le mode individuel quand même et les possibilités que vous avez de réglage. Vous pouvez agir sur les trains roulants, agir sur la direction, sur l'entraînement, sur les assistants d'éclairage également pour modifier l'ambiance à l'intérieur de la voiture et la climatisation également. Donc, chaque fois, vous allez pouvoir faire du confort ou du sport pour chacune des thématiques que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est accessible via ce bouton mode. Vous le voyez, l'écran réagit assez bien. On y reviendra dans un instant. Donc ici, la ventilation. Si on descend rapidement, ici, un petit filet qui permet de placer la petite carte. Si vous avez une carte de recharge pour les bornes de recharge, vous pouvez placer ça dans le petit filet. Et puis alors, un double bac ici, double porte-gobelet avec petit système de retenue pour la tasse ou le gobelet que vous allez mettre à l'intérieur ou la canette. Donc ça, c'est assez pratique. Et alors, si on continue, on a ici en fait un double système de rangement. Rangement pour un téléphone portable. Vous pouvez le placer soit ici au-dessus, soit ici derrière. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une recharge par induction disponible donc sur cette voiture, sur cette finition, sur cette console centrale. C'est assez sympa. Autre espace assez sympa, c'est le bac de rangement qu'on va retrouver ici entre les deux sièges, qui renferme d'abord une petite surface amovible qui va vous permettre de compartimenter comme vous le souhaitez cet espace, et en plus deux prises USB-C pour recharger évidemment vos appareils électroniques. Alors, quelques secondes pour vous parler du système d'infodivertissement. On le sait, Volkswagen a eu beaucoup de mal à développer ce système d'infodivertissement et globalement tout le système qui commande la voiture. C'est en passe d'être réglé, ça le sera certainement en courant 2021. Tout ça sera un mauvais souvenir. Alors, comment se comporte-t-il ce système d'infodivertissement? Eh bien, comme un téléphone portable avec un bouton Home ici qui permet de revenir sur l'écran principal qui est celui-ci, qui affiche la navigation, le menu véhicule qui permet un accès rapide au téléphone également, et au menu multimédia, en l'occurrence ici, la radio. Alors, si on va sur la partie de droite, on a accès à différents menus de manière assez rapide, à savoir les consommation de longue durée, depuis la recharge ou depuis le départ. Là, il n'y a pas de téléphone connecté, mais donc on a un menu téléphone ici. On a des réglages plus profonds ici, les réglages de base, réglages du système, de date, d'heure, de langage, etc., etc.
Et puis alors, si on va, et là c'est plus intéressant, sur la partie de gauche, là on a un autre menu qui permet d'avoir accès à pas mal de fonctions. Alors, fonction téléphone, hein, on ne va pas y revenir, il n'y a pas de téléphone connecté pour l'instant, donc il n'y a pas grand-chose à afficher. Menu radio média, cette voiture est équipée de la FM, également de la radio numérique DAB+. La navigation, qui permet de naviguer évidemment vers sa destination préférée et de mettre en favori une destination domicile, une destination travail par exemple. Le menu véhicule, donc le même que celui qui était accessible tout à l'heure depuis l'écran central, qui permet d'aller dans les réglages extérieurs ou intérieurs, ici au niveau de l'habitacle, notamment l'éclairage intérieur. On est sur ici, voilà, un modèle sombre. Il y a possibilité d'avoir la même chose en blanc également. Cockpit ID Light pour l'extérieur, éclairage confort, les pneus, l'éclairage de route, les rétroviseurs. On a possibilité de tourner autour de la voiture pour avoir d'autres menus qui viennent s'afficher ici également. Donc ça, c'est le menu véhicule. On a le menu statut ici qui permet de vérifier le statut évidemment de la voiture. Les données de consommation qui sont accessibles ici depuis le départ, longue durée, depuis la recharge. C'est le même menu qu'on avait tout à l'heure sous forme de swipe. Les lieux qui ne sont pas encore disponibles, voilà les lieux de recharge mémorisés, et puis la recharge en tant que telle, et la possibilité d'aller jusqu'à 100%, mais également d'aller jusqu'à 80% de recharge, ce qui est conseillé évidemment par les constructeurs pour éviter d'endommager la batterie et de préserver sa capacité sur le long terme. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ce système, il est plutôt réactif. Le petit bémol, ce sera juste au niveau de la navigation. Effectivement, la navigation n'est pas très rapide au niveau de sa mise en route. Et globalement, le système a besoin d'un peu de temps aussi pour se mettre en route quand on démarre la voiture. Mais pour le reste, franchement, la navigation dans les menus, elle est assez fluide. Hein, vous le voyez, c'est assez bien fait. C'est assez réactif. Et de ce côté-là, pour l'avoir utilisé pendant une semaine, je n'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose à redire. Alors sur la route, la Volkswagen ID3, ça donne quoi? Eh bien, je me souviens de cet essai qu'on a fait il y a quelques semaines et je retrouve totalement cette impression que j'avais eue, à savoir une voiture qui est extrêmement confortable. D'abord, on y reviendra dans un instant, et puis silencieuse et en même temps dynamique. Voilà, des accélérations dynamiques au démarrage, c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une voiture 100% électrique avec ce principe de couple immédiat. Mais c'est vraiment ce qu'on retrouve sur cette voiture, comme sur une Kia Iniro par exemple. Si on prend un exemple plus récent, on a eu par exemple la Mazda MX-30, sur cette voiture elle avait une plus grande progressivité au niveau de l'accélération, donc les accélérations étaient un petit peu moins franches. Ici c'est vraiment très agréable, accélération très franche, très dynamique au démarrage sur cette Volkswagen ID3. Alors contrairement au Kia Iniro justement, qui a un intérieur plus traditionnel, ici le fait que cette voiture soit disponible uniquement en mode 100% électrique, ça a permis de redistribuer un petit peu l'espace intérieur et donc d'avoir un intérieur qui offre une sensation d'espace plus grande. On a un extérieur qui ressemble un peu à un monospace au niveau de l'avant, et bien ça se ressent à l'intérieur de la voiture. On a deux montants, un montant double hein, au niveau du pare-brise à gauche et à droite, et on a donc une petite vitre latérale à gauche et à droite. Et c'est pas gênant, on n'a pas une mauvaise visibilité, bien au contraire. On a voilà, un montant plus important et un autre un petit peu moins. Mais on a surtout cette grande sensation d'espace avec le bout du pare-brise qui est vraiment très très loin et cet avant qui est très très court. Donc c'est une distribution de l'espace à bord qui est vraiment complètement différente par rapport à une voiture qui existerait aussi en mode thermique. Quand on roule dans une voiture 100% électrique, elle est donc forcément silencieuse, silencieuse au démarrage, silencieuse globalement en roulant. Et c'est d'autant plus important du coup d'avoir une bonne filtration des bruits, notamment des bruits de roulement et puis de n'importe quel bruit qui pourrait apparaître, des bruits de mobilier. Donc c'est important d'avoir des ajustements qui sont parfaits, parce que n'importe quel bruit qui pourrait être masqué par un moteur thermique, eh bien sur une voiture 100% électrique s'entend énormément. Donc ici en l'occurrence, on a une voiture qui offre un excellent confort acoustique, il n'y a pas de bruit de mobilier, même si la qualité des matériaux n'est pas géniale, on a quand même des bons ajustements, on sent que c'est bien construit et donc on n'a pas de bruit parasite. Alors vous me direz, cette voiture elle est neuve ou à peu près, hein, là quelques centaines ou milliers de kilomètres, mais alors qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que là ça semble bien construit, pas de bruit parasite. Et puis alors les bruits de roulement eux aussi sont extrêmement bien maîtrisés. Ici je suis sur un billard, mais c'est vrai que sur une route au revêtement un petit peu moins qualitatif, et eh bien ça fonctionne bien aussi en termes acoustiques, en termes sonores. Il n'y a pas de bruit parasite et ça participe aussi au grand confort de cette voiture.
Évidemment, le confort avec un grand C, ça passe par le confort de suspension, les sièges, la position de conduite. Et de ce point de vue-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur cette voiture. Il n'y a même rien à dire du tout. Hein. C'est pour moi un sans faute. Je me sens vraiment bien dans cette voiture. Alors certains trouveront peut-être des choses à redire. Mais en ce qui concerne mon expérience personnelle, je viens de passer une semaine au volant de cette voiture. Les suspensions, elles filtrent extrêmement bien les irrégularités de la route. Les sièges, franchement, je suis grand. Donc parfois, c'est un peu compliqué pour moi de trouver une position de conduite idéal. Ici, l'amplitude des réglages fait que j'ai trouvé moi aussi ma position de conduite idéale. Le volant qui est plutôt épais, moi personnellement, j'adore ça. Si on ajoute à ça le fait que le volant sur cette finition, il est chauffant, les sièges sont chauffants. Durant cette semaine, il n'a pas fait plus de 3 à 4 degrés. Là, en l'occurrence, il fait 4 degrés. Et donc, franchement, le fait de pouvoir avoir ce volant chauffant, ces sièges chauffants, c'est hyper enveloppant et ça procure une sensation de confort qui est vraiment énorme. Alors si on ajoute à ça le fait de pouvoir programmer, et ça c'est une bonne idée je trouve, quand il fait froid vous pouvez dire à la voiture, voilà, quand il fait froid, merci d'activer les sièges chauffants et le volant chauffant. Et dans ce cas-là, eh bien voilà, chaque fois qu'il fera froid, vous ne devez pas systématiquement activer ces deux fonctions, elles seront activées par défaut et vous pouvez même régler le niveau d'intensité tant pour le volant que pour les sièges chauffants. Il y a trois niveaux différents pour le siège et pour le volant. Et donc ça, c'est un confort assez incroyable. Vous pouvez à distance activer, juste avant de partir, un quart d'heure, 20 minutes avant de partir, vous activez à distance le préchauffage de la voiture. Et quand vous arrivez dans la voiture, vous démarrez, les sièges sont chauffés, le volant est chauffant, l'intérieur est à bonne température. Franchement, c'est un confort assez incroyable. Et si en plus dehors, bah, vous deviez normalement gratter, bah, là forcément tout aura fondu, donc vous ne devez pas gratter. C'est absolument génial. Avec 1800 kg sur la balance, cette voiture, elle est globalement d'un poids équivalent à ce qui se fait dans la catégorie 1800 kg, dont à peu près 370 kg de batterie, batterie logée sous le plancher. Ça aussi, hein, c'est comme la plupart des autres. C'est-à-dire, bah, forcément, du coup, un centre de gravité qui est extrêmement bas. Et donc, c'est tout bénéfice pour le comportement de la voiture. Alors, cette voiture, comme la plupart des autres voitures électriques, elle n'a pas une vocation à être sportive, malgré son couple généreux. Il va servir à la rendre vive, à la rendre dynamique, mais ça ne va pas la rendre sportive. Le comportement sera toujours un peu plus pâteau que sur une voiture à moteur thermique à puissance équivalente, qui sera d'ailleurs peut-être moins vive en termes d'accélération, mais qui aura peut-être, forcément plus légère, un comportement plus sportif. Ici, on est dans quelque chose de vif, de dynamique, mais pas sportif. On aura peut-être l'occasion dans le futur de voir des versions plus sportives, plus affûtées pour un comportement sportif de cette Volkswagen ID.3, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Sur cette finition, les aides à la conduite, elles sont relativement nombreuses hein, sur cette Volkswagen ID.3, à savoir tout d'abord le régulateur de vitesse adaptatif. Alors ça fonctionne plutôt bien et on a même un système ici qui va un petit peu plus loin que la simple régulation de vitesse et le fait de pouvoir s'adapter à la voiture qui se trouve devant soi. On a vraiment une conduite prédictive hein, sur cette voiture avec le régulateur qui va tenir compte des circonstances. Forcément, le régulateur, il connaît le parcours de la voiture, certainement si vous activez le GPS, mais globalement, étant donné qu'il a la carte en mémoire, il sait s'il y a un rond-point qui arrive, un virage un peu prononcé, un carrefour, etc. Et donc le régulateur de vitesse va vous suggérer un comportement en termes de vitesse justement. Donc s'il y a des limitations de vitesse qui changent, le régulateur de vitesse va s'adapter. Vous pouvez lui demander de s'adapter aux nouvelles limitations de vitesse en lecture de panneau. Et en plus de ça, dès qu'on va arriver sur une bretelle, un virage un peu serré, dès qu'on va arriver sur un carrefour, un rond-point, etc., il va d'office réduire la vitesse pour pouvoir franchir l'obstacle à la bonne vitesse. Donc si la route est limitée à 50 km/h par exemple et qu'on a un rond-point, eh bien pour franchir le rond-point, en considérant évidemment que personne n'arrive et que donc vous ne devez pas freiner au rond-point, mais du coup pour franchir le rond-point, il va vous dire voilà, rond-point en approche et donc je modifie la vitesse, je vais descendre à 25 km/h peut-être ou 20 km/h histoire de passer le rond-point sans encombre et donc sans avoir à freiner, la voiture va adapter sa vitesse. Donc ça c'est plutôt performant. Alors avec les limites que ça comporte en termes d'intégration dans la circulation routière, ça veut dire que cette voiture, elle a forcément, elle va lire le panneau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va adapter sa vitesse au panneau.
Alors qu'on sait très bien que dans la vraie vie, voilà, si on a une limitation à 50 km/h qui passe à 70 ou à 90 km/h, on voit le panneau 70, 90, 30 mètres devant, on va commencer à accélérer. Ici, ce n'est pas le cas, elle va rester à 50 km/h jusqu'au panneau et au panneau, elle va accélérer. Donc c'est un comportement qui est très artificiel, qui peut agacer évidemment les personnes qui vont se trouver derrière parce que ça rend la conduite voilà, un peu mécanique. Et ça, c'est un petit peu dommage et c'est en ça que les voitures électriques et plus tard les voitures autonomes vont devoir peut-être un petit peu s'adapter. C'est d'essayer d'obtenir un comportement qui n'est pas seulement un comportement de respect des règles et de lecture de panneaux et j'applique la lecture des panneaux, mais simplement un comportement qui soit en adéquation quand on est en mode de conduite autonome hein, ou semi-autonome, d'avoir un comportement qui est compatible avec la circulation au milieu d'une circulation qui est faite aussi de voitures qui ne sont pas pilotées par des ordinateurs mais par des êtres humains. Donc voilà, là il faut améliorer peut-être un peu les choses. Et puis aussi au niveau de la lecture de panneaux, il y a des erreurs sur la route, il y a des erreurs de panneaux, il y a des erreurs de panneaux qui ont été placées au mauvais endroit, et puis il y a aussi des erreurs de lecture. Parfois il y a une bretelle de sortie avec une diminution de la vitesse et la voiture lit ça et prend ça comme une diminution de la vitesse sur la voie principale, ce qui est pas correct. Donc là aussi sans doute des choses à améliorer, à affiner en termes de réglage, mais en tout cas c'est assez prometteur de voir cette voiture qui peut s'adapter non seulement aux panneaux mais aussi aux obstacles qu'on va rencontrer sur la route comme un rond-point, un carrefour ou un virage un petit peu serré. Autre système censé aider le conducteur, c'est l'assistant de maintien dans la voie avec l'alerte de franchissement de ligne. Et là, il y a un petit bémol, c'est que dans le groupe Volkswagen, il y a des voitures qui roulent parfaitement au centre de la voie avec ce système. Dans celle-ci, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas. La voiture a tendance à faire un petit ping-pong, un petit jeu de ping-pong entre les lignes latérales si on soulage le volant. Ce qui n'est pas le but, hein, je vous le rappelle, mais c'est vrai que voilà, pour tester la chose, l'idée c'est quand même de soulager le volant et de voir comment la voiture se comporte. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un ping-pong donc, entre les voies de circulation, entre les lignes qui matérialisent la voie de circulation. Et puis, en plus de ça, eh bien, elle a tendance à biper un peu régulièrement en rappelant de garder les mains sur le volant. Alors ça, c'est normal, mais en rappelant aussi qu'il faut circuler sur le centre de la voie. Donc si vous n'êtes pas parfaitement au centre de la voie de circulation, elle va avoir tendance à biper régulièrement et c'est un petit peu casse-pied. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça mériterait quelques petits ajustements peut-être. Alors un bon point par contre, c'est que la distance que vous souhaitez mettre entre votre voiture et la voiture qui vous précède quand vous êtes en mode régulateur de vitesse adaptatif, eh bien elle est forcément réglable. Et puis surtout, le réglage reste en place d'un trajet à l'autre. Donc vous ne pouvez pas systématiquement régler cette fonction comme dans certaines voitures où par défaut, elle va prendre la distance la plus longue et vous devez systématiquement vous dire non, je ne veux pas la distance la plus longue, je veux la distance moyenne ou la plus courte. Autre système qui reste en place, comme vous l'avez demandé, d'un trajet à l'autre, c'est le auto hold, donc le fait quand vous êtes arrêté de pouvoir lever le pied du frein, la voiture se maintient en place même quand vous êtes en pente, donc elle n'avance pas et elle ne recule pas. Donc ça reste également en place d'un trajet à l'autre. Par contre, et ça c'est dommage, le fait d'avoir ce basculement automatique des feux de route au feu de croisement, eh bien ça ne reste pas en place d'un trajet à l'autre, et donc pour chaque trajet vous devez remettre le système en automatique pour que le basculement se fasse de manière automatique sur votre trajet. Quand je vous avais proposé le premier essai découverte il y a quelques semaines, pour moi l'élément négatif principal c'était la qualité des plastiques à l'intérieur. Et franchement, tout l'intérêt d'avoir une voiture pendant une semaine comme on le fait sur Charging Station pour pouvoir la tester vraiment au quotidien, eh bien c'est de pouvoir se rendre compte qu'au final, en l'occurrence concernant cette ID3, le problème principal c'est plus au bout d'une semaine la qualité des plastiques qui est ce qu'elle est. Voilà, on s'y fait, c'est comme ça. La voiture a bien d'autres qualités qui gomment finalement cet aspect très plastique des plastiques. Le défaut principal que j'ai trouvé, c'est le manque de fiabilité du système électronique de la voiture globalement. Le système d'infodivertissement, j'ai eu des bugs au niveau du plafonnier arrière, des bugs au niveau de l'application pour commander notamment le chauffage, la climatisation de la voiture. Donc c'est tous des petits bugs comme ça auxquels j'ai été confronté et qui font que finalement c'est un peu gênant au bout d'une semaine quand ils viennent s'accumuler comme ça. Et on espère que Volkswagen va pouvoir vraiment trouver une solution pour fiabiliser l'électronique de son ID3 et toute la série des ID. On sait qu'ils ont eu beaucoup de mal à pouvoir proposer un système qui partait de zéro hein, pour commander la voiture, le système de digital qui commande la voiture, le système d'infodivertissement et la gestion également des paramètres de la voiture via le menu derrière le volant. Donc on sait que ça a été compliqué de mettre ça au point. Tout n'est pas encore actif et activé, le sera prochainement via des mises à jour en 2021. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été confronté par exemple à l'application qui ne voulait plus se connecter à la voiture. Au bout du
quatrième jour. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai été confronté également à l'écran d'infodivertissement qui à un moment donné a frisé complètement. Alors pourquoi, je ne sais pas, j'ai dû redémarrer l'écran pour que ça refonctionne de nouveau. J'ai été confronté à au plafonnier arrière qui pendant plusieurs trajets s'est mis soit à clignoter, soit à s'allumer, et du coup je devais l'éteindre avec le bouton ici au-dessus sur le plafonnier avant. Voilà, tout ça pourquoi, je ne sais pas, c'est assez inexpliqué. Donc ça arrive une fois et puis pas deux et puis ça revient. Donc c'est un petit peu dommage. Alors c'est pas grave grave, c'est pas des problèmes graves. Même l'écran d'infodivertissement qui frise, ça n'empêche pas la voiture de rouler, il y a pas de problème de sécurité. Mais c'est juste des petits bugs comme ça. On espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution pour vraiment y apporter des solutions et fiabiliser l'électronique de la voiture. Au niveau du freinage, alors cette voiture, comme toutes les voitures électriques ou électrifiées, permet de récupérer de l'énergie quand on soulève le pied de l'accélérateur, et forcément quand on freine également, on va récupérer un maximum d'énergie pour réinjecter cette énergie dans la batterie. Donc ça, c'est très très bien. Cette voiture dispose par défaut en mode D d'une récupération qui est plutôt faible, hein, il faut bien le dire. Quand on lève le pied de l'accélérateur, on aura la sensation d'une voiture à moteur thermique. Voilà, quand on lève le pied de l'accélérateur, elle a tendance à un petit peu ralentir, mais pas énormément, et donc à le récupérer pas beaucoup. Quand on est en mode B, puisqu'il existe un mode B donc activable via le commodo derrière le volant, en mode B, alors on a une récupération qui est plus forte, mais on n'a pas de récupération incroyable non plus, donc on est bien loin de la conduite à une pédale qu'on peut retrouver sur d'autres voitures. Et c'est bien dommage parce que moi, c'est effectivement les modes qui proposent les récupérations les plus élevées qui me plaisent le plus, parce qu'au quotidien, il faut s'habituer au début, mais au quotidien, le fait de pouvoir conduire avec une seule pédale, lever le pied, enfoncer le pied, lever le pied, enfoncer le pied, et d'aller jusqu'à l'arrêt complet quand on a le pied complètement levé, c'est hyper pratique, c'est hyper confortable, ça participe vraiment au confort de la voiture. Et c'est pas possible sur cette ID3 où on a une récupération soit très légère, soit moyenne, mais jamais très forte. Alors un élément dont la voiture qu'on avait testée il y a quelques semaines n'était pas équipée, celle-ci est équipée, c'est les feux ID Light Matrix LED, donc des feux matriciels éclairage adaptatif, et qui humanisent déjà un petit peu la voiture, et ça rend la voiture très sympa, ça donne un petit effet visuel sympa, il y a un effet visuel lumineux quand vous vous approchez de la voiture, et comme il y a une espèce de deux yeux globuleux à l'intérieur des phares, on a un visage qui est un petit peu plus humain au niveau de cette voiture, ça la rend extrêmement finalement attachante quand elle vous accueille comme ça en vous suivant du regard, c'est plutôt sympa. Au-delà de l'aspect sympa et visuel, ça propose un éclairage très très performant, éclairage adaptatif, et donc qui permet d'avoir un maximum d'éclairage sans éblouir les personnes qui viennent en face ou les personnes qu'on est en train de suivre. Regardez ces images que j'ai filmées durant la nuit sur une petite route de campagne, quand l'éclairage adaptatif se met en position plein phare, on a vraiment une excellente qualité d'éclairage grâce à ces feux de Volkswagen. Alors un point important, c'est la consommation et donc l'autonomie réelle de cette voiture. Contrairement à il y a quelques semaines, on était en été, on avait des conditions d'essai qui étaient idéales. Ici, il a fait extrêmement froid durant toute cette semaine, pas plus de 5 degrés, on est allé entre moins 1 degré et 5 degrés à peu près pour les essais, donc c'est forcément pas des conditions idéales pour une voiture électrique. Et donc je suis arrivé à quoi? Je suis évidemment pas arrivé aux 425 km théoriques en norme WLTP promis par cette voiture. J'étais bien bien loin de là, mais voilà, c'est normal, hein. Je sais que certains sont arrivés quasiment à atteindre ces 425 km dans de bonnes conditions, et en roulant forcément avec un œuf sous le pied, on parvient à atteindre les 425 km. Donc cette voiture, elle consomme peu globalement. Mais combien consomme-t-elle quand il fait en l'occurrence très froid, entre 0 et 5 degrés? Je suis arrivé à faire à peu près 250 km avec une batterie pleine, c'est-à-dire qu'elle perdait en fait 20% tous les 50 km. Donc voilà. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, je vous parlais tout à l'heure de préchauffage, la possibilité de préchauffer la voiture. C'est important de le faire quand la voiture est encore branchée sur sa borne avant de partir de chez vous. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai testé les deux. Donc j'ai testé le fait de partir de chez moi et de me rendre sur mon lieu de travail, donc à 50 km de chez moi, en ayant préchauffé la voiture quand j'étais dans la salle de bain, donc avant de partir, quand elle était branchée. Et alors je l'ai fait également sans préchauffer la voiture, en rentrant directement dans la voiture, la fois où ça n'a pas fonctionné et où donc j'avais pas l'accès à distance avec la voiture. Et cette fois-là, j'ai consommé 5% de batterie en plus. Donc voilà, à la place d'arriver sur mon lieu de travail avec 80% de batterie, elle était à 100% au démarrage, à la place d'arriver avec 80%, je suis arrivé avec 75%. Donc le fait de ne pas avoir préchauffé la voiture quand elle était encore branchée sur le
le secteur, fait que j'ai consommé 5% de batterie supplémentaire à des températures donc proches de 0 degré. Ça, c'est un point intéressant. Donc en résumé, on sera à 250 km avec principalement de l'autoroute, hein, ça c'est un point important aussi. Donc 250 km avec principalement de l'autoroute avec des températures proches de 0 degré, ce qui donne une consommation de 22 kWh au 100 à peu près, hein, en moyenne. Et on sera bien au-delà, évidemment, 300, 350, on pourra atteindre les 400 km dans les meilleures conditions grâce à l'efficacité énergétique de cette voiture, à l'efficience de cette voiture que j'ai eu un petit peu de mal évidemment à vérifier durant cette semaine. Cela dit, 22 kWh au 100 avec les températures auxquelles j'ai eu droit, bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Petit point à signaler, je le fais à chaque fois mais c'est important, les constructeurs préconisent toujours une recharge à 80% maximum au quotidien. Bien sûr, vous avez la possibilité de charger à 100% pour des trajets plus longs, mais au quotidien, si vous faites des trajets assez courts, vous n'allez pas utiliser toute la capacité de la batterie, eh bien chargez-la à 80%, pas plus, ce qu'il est possible de paramétrer d'ailleurs dans le système d'infodivertissement de cette voiture. Donc 80%, pas plus au quotidien, réservez le 100% à des trajets qui sont vraiment longs et qui donc le justifient. Au niveau des tarifs, on est un peu à la croisée des chemins là, en ce moment. La gamme de finitions disponibles s'est étendue sur les configurateurs en ligne de Volkswagen pour cette ID3, avec donc notamment beaucoup de finitions disponibles en termes d'équipement et puis une batterie de plus grande capacité de 77 kWh qui est également disponible sur des versions plus haut de gamme. Donc, allez faire un tour sur votre configurateur national pour configurer votre ID3. Je peux vous dire qu'en Belgique, les prix démarrent à 35 650 euros en finition pro et s'étendent jusqu'à 48 315 euros en finition tour. Sur le marché français, les prix démarrent à 37 990 euros en version Life et s'étendent jusqu'à 48 990 euros en finition tour. Cette voiture est bien sûr sur le marché français éligible au bonus gouvernemental de 7000 euros. Ce sera 3000 euros pour les versions haut de gamme, hein, puisque le plafond de prix est dépassé. Ce qui ramène le ticket d'entrée pour cette voiture sur le marché français à 30 990 euros. Notez également que cette voiture est extrêmement intéressante pour les sociétés, que ce soit en France mais également en Belgique. Et vous le savez, j'ai demandé à la société leasing Arval, partenaire de Charging Station, de bien vouloir calculer un prix concret pour avoir une idée de combien peut coûter cette voiture en leasing. C'est le cas pour cette voiture, pour les quelques précédentes et pour les voitures à venir. Alors je peux vous dire que sur arval.be, eh bien, vous constatez que cette voiture, la ID3 en finition pro, elle est disponible aujourd'hui en leasing opérationnel, donc le leasing tout compris, à partir de 429 euros par mois hors TVA sur base de 15 000 km par an et d'un contrat de 5 ans. 429 euros par mois, du coup, bah, ça permet de se rendre compte que c'est exactement le même montant que le Mazda MX-30 qu'on a essayé récemment mais qui ne dispose pas évidemment de la même autonomie que cette voiture. Il dispose d'autres atouts mais pas de celui-là. Vous aussi déterminez votre tarif en leasing opérationnel en fonction de votre critère sur arval.be. En conclusion, oui, cette Volkswagen ID3 est une voiture très agréable à conduire, mais non, cette voiture n'est pas parfaite. Alors, à l'extérieur, cette voiture, elle est juste craquante, hein. C'est un très très beau design. Moi, personnellement, je suis fan. Volkswagen propose là quelque chose de très original qui, en plus, du coup, à l'intérieur, est extrêmement pratique. À l'intérieur, justement, ben, les matériaux y déçoivent un peu au premier regard, mais avec le temps, et c'est là tout l'intérêt d'une semaine de test et pas d'une heure ou d'un jour, eh bien, ce sont surtout ses qualités qui prennent le dessus, son confort, son dynamisme, son autonomie suffisante et son équipement. Après une semaine à son volant, c'est finalement plutôt les quelques bugs du système d'infodivertissement auquel j'ai été confronté qui comptent, bien plus que la qualité des plastiques. Alors, l'ID3 est peut-être né un peu trop vite. On sait que Volkswagen a eu du mal, hein, avec le système électronique de la voiture. Ça obligera à passer par la case mise à jour en 2021 pour pouvoir profiter de tout ce qui avait été promis par Volkswagen. Mais la voiture aujourd'hui, elle est déjà très cohérente et surtout efficace et agréable. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. À venir, une autre voiture 100% électrique comme l'ID3, mais celle-là nous vient de Chine. C'est le Highways U5, un SUV qui ambitionne de conquérir l'Europe. Il a posé ses roues il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en Corse. Il est maintenant vendu en Allemagne, également aux Pays-Bas, bientôt en France et en Belgique. Et j'aurai donc l'occasion de l'essayer pendant quelques jours et de vous proposer un essai complet de ce SUV qui va proposer, nous dit-on, un rapport prix-prestation
sans précédent. Également deux voitures hybrides rechargeables, allemandes toutes les deux, mais pas la même marque. Une Mercedes, tout d'abord la Mercedes CLA plug-in hybride, et puis la plug-in hybride également chez Audi, l'Audi A6 en version break. N'hésitez pas, pour toutes ces bonnes raisons, à vous abonner. Vous êtes nombreux à le faire. Vous abonner à Charging Station, partager les vidéos Charging Station, ça nous aide vraiment à faire grandir cette communauté électrisante. Et puis n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt et joyeuses fêtes.